C'est trop trop cool. Oula, 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 oula! Oh, 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 c'était juste ça, c'était vraiment juste. Hey, salut les clubbeurs! Alors on se retrouve encore une fois sur Stray, et comme tu peux le constater, nous sommes dans le club. Hein. Alors, il y aura très peu de spoil, hein. Évidemment là tu sais qu'on peut rentrer dans le club, mais je vais essayer de faire en sorte de présenter les choses grâce au montage, de manière à ce que tu puisses toi aussi kiffer ce jeu. Hein. Et c'est déjà le 6ème épisode, hein. Si tu veux voir tous les épisodes de mes let's play, il y aura la playlist à la fin, et ça fait suite également au live hein, que j'ai publié dimanche soir à 20h. Tous les dimanches à 20h, je vous propose un petit live sur ma chaîne. Et d'ailleurs, le prochain sera sur Steel Rising. Et également, le mois prochain, je suis déjà sur un jeu très exigeant. C'est un jeu un petit peu surprise. Voilà, donc si tu veux rien louper tout ça, n'hésite pas à t'abonner. Allez, on va parler au barman parce que ici, en fait, ce qu'on doit faire, c'est filer un objet à quelqu'un qu'on connaît bien. Ah, il a reçu plusieurs plaintes. On peut pas désactiver les holodanseurs parce qu'un imbécile a trouvé amusant de voler la poignée du levier. Faut qu'on offre un verre à un gars qui nous a dit qu'il avait volé la fameuse, le fameux levier, tu vois. Il est encore dans sa main, le levier, en fait. Hein. Bon, il veut à boire, il veut à boire. L'autre, il m'a parlé des holodanseurs. Ah, c'est pas si simple. Ok, t'as les holodanseurs ici. Et là, tu vois, je n'ai pas le levier. Hein. Ah, regarde, prendre boisson bizarre. Ah bah oui, je suis obligé de la prendre dans ma gueule. Il y a B12 qui m'aide à prendre des objets hein, de manière subtile. Et ben voilà, on va te montrer ce petit verre. Tu kiffes? Tiens, allez, vas-y, donne-nous la manette. Yes. Ok, maintenant on sait où elle est, c'est ici, la base de levier. C'est ici, utiliser l'objet. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper ça, je ne sais pas trop à quoi ça sert à vrai dire. Ça y est, c'est fini. La fête est finie les gars, hein. Tout le monde rentre chez lui. Ah oui, d'accord, 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 on va pouvoir scratcher je crois. Ah, il faut attirer les deux. D'accord. Voilà, faut le faire assez rapidement je crois. On va foutre le dawa. Allez, vas-y. Je suis allé beaucoup trop vite pour lui là. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, il n'a pas marqué qu'il y avait un chat. Écoute, c'est très bien. Voilà. Oh oui, on peut se faufiler. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut appuyer sur des boutons pour foutre le boxon. Oh, mais va y avoir un peu de plateforme là. Il faut réfléchir à ce qu'on va faire. Ok, donc là, non. Eh, je peux passer là. Oui, je peux passer. Oh, d'accord, d'accord, d'accord. Ça bascule, ça bascule. Ok, il est là le petit salon VIP apparemment. Oula, attends, il me manque une plateforme là. La plateforme finale. D'accord, eh bien il faut refaire ça mon gars. Ah oui, c'est beaucoup mieux comme ça. Allons-y. Alors, tu vas nous parler toi? Oui. C'est Raph, j'entretiens une excellente relation avec les sentinelles. Je ne comprends pas ce que les gens leur reprochent. Les sentinelles, c'est vraiment des robots. Et oui, je te montre pas tout, hein. Évidemment, hein, comme ça tu pourras jouer par toi-même. Alors, oh, elle est carrément capturée, la pauvre petite Clémentine. On va passer cette cinématique justement pour éviter de spoiler. Oh là là, je te passe les péripéties, mais on est à Alcatraz. Bon bah écoute, hein, voilà, c'était un petit let's play sur Stray. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Allez, fini de déconner, on va essayer de sortir de là. De toute façon, je peux faire qu'une chose, c'est basculer là. Allez, go, saute. Oh, qu'est-ce que c'est bien fait ces animations. Je peux pas tourner la caméra. Si, oh, de toute façon, il n'y a pas trop d'objets cachés. Va falloir se tirer de là, mon ami. Hein. Eh ouais, mais nous, l'avantage, c'est qu'on peut grimper partout. Voilà, enfin, partout, presque partout. Ouh, non, non, je t'ai dit qu'on pouvait pas tomber à chaque fois que je dis ça. Il se passe ça, le petit suspense. Prison. Yes. Alors, pour l'instant, ça a l'air de la pure plateforme. Mais j'ai l'impression qu'on aura le droit aux sentinelles, hein, de toute façon. Oula, mais alors là, du coup, je suis un peu coincé. Ah, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Je vais pouvoir descendre sur la caisse. Oui, 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 voilà. Ah oui, il faut pas aller sur... Ah oui, le sol, c'est pas du sol. Non, c'est de la vase bien dégueulasse. D'accord. Oh, qu'est-ce que c'est bien pensé. C'est vraiment de la plateforme. Mais comme je t'ai dit, le chat ne peut pas sauter là. Tu peux pas sauter au hasard. Tu peux sauter que quand c'est des QTE, tu vois. Il y a des petits symboles X. C'est vraiment excellent. Là, il y a des bruits. Oh, c'est un gardien. Ah non, c'est carrément... Ah oui, c'est un prisonnier. Ah ouais, d'accord, il est carrément enchaîné, le bazar. J'ai l'impression qu'il va falloir aider des gens, moi, pour sortir d'ici. Oh, il y a les lumières de sentinelle en face, justement. Alors, comment on va faire?
Bon, déjà, on va pouvoir grimper un petit peu ici ou là. On va bien voir ce que ça donne. Y a pas de sentinelle là-haut. Oh, mais attends. Ah oui, non, mais c'est un faux ciel. Ah oui, j'ai cru qu'on avait un vrai ciel. Putain, qu'est-ce que c'est bien fait. D'accord. Alors, écoute, moi, le Lascar qui est en prison, je sais pas, j'ai pas. Moi, bon, moi, mon but, c'est de me barrer. Hein. Peut-être qu'il faut l'aider, hein, mais ouais, c'est pas forcément ma priorité. Alors, si on rentre là-dedans, bah, écoute, je vais te montrer. On verra. Voilà, je vais te montrer. Bon, tu vois, t'as un petit délai, donc tu peux rush si tu veux, mais tu te fais déglinguer. Hein. Voilà. C'était vraiment histoire de montrer, il y a quand même un petit peu de danger dans ce jeu. Ah ouais, mais alors comment on va le passer finalement ce cum? Écoute, on va peut-être passer en bas à mon avis, hein, parce que voilà, il y a une petite plateforme. Ok, il y a le mec qui passe là. Ah mais si j'atterris, il va me cramer là. Non, mais je vais attendre qu'il se retourne. Voilà. C'est de l'infiltration légère. Là, je peux rentrer là. Oui. C'est de l'infiltration légère. Oh putain, c'est assez glauque hein, quand même. Hein. Ah oui, je peux passer dessous. Ah, mais je peux même aller là. Oh, j'avais pas vu. Oh yes. Alors là, attention, parce que si je sors, je ne sais absolument pas s'il y a quelque chose. Oh, trop cool. Attention. Je crois qu'il ne calcule que les êtres. Par exemple, si je mets ma lumière. Ah ouais, mais non, B12, il va pas sortir justement. Ça, c'est cool. Il y a quoi au bout là? Oui, il faut quand même aller au bout. Ouais, non, faut peut-être remonter parce que le mec il va revenir. Ok. Eh ben, on est arrivé derrière hein, ce Lascar. C'est un petit peu chaud. Je ne sais pas trop où aller, à vrai dire. Je pense qu'il faudrait que je grimpe là-haut, mais le mec il va revenir là. Oh là, attends, il revient. Ça va, c'est que au sol, j'ai l'impression. C'est que au sol, son capteur. Si je suis sur les escaliers, j'ai l'impression que je suis safe. Hein, t'as vu, il n'y a pas de lumière sur les escaliers. Yes. Et là, c'est pas ouvert? Non. À mon avis, il va falloir revenir sur nos pas. Et non, c'est de là d'où je viens, ça. Non! Allez, va te cacher. Voilà, c'est bon, on a fait le tour. Normalement, il est subjugué, là. C'est ouvert là? On n'y est pas allé là. Ah oui, mais. Oh non. D'accord. Ah oui, c'est peut-être parce qu'il y a plusieurs manières de le passer en fait. Le truc, t'as vu, il y a des boîtes aussi où on peut se mettre dedans. Vite. Ah, c'est là où on peut passer, je crois. On peut pas grimper là? Si, on peut grimper, monsieur. Si, on peut grimper. Ouh, yes, ça y est. Oh, qu'est-ce que c'est subtil. Ok, on a trouvé un ami. Pourquoi il nous parle lui? Ah oui, il faut aller chercher la clé. J'ai compris. Y a pas de sentinelle à ton étage? Écoute, on va essayer de se faufiler. Hein. Oula, fais pas trop de bruit avec les canettes. Hein. J'adore les interactions avec le décor. Franchement, c'est le top. Ah, on peut se faufiler. Oh, c'est génial. Ah oui, même à travers les barreaux. Oh, regarde. Oh là là, nouvel environnement. Oh, qu'est-ce que c'est cool. Ah, tu vois, ils ont mis un ciel bleu à l'intérieur, en fait, un fake. Regarde, t'as même le jeu de fléchettes et tout. Putain, mais les détails de ce jeu, c'est vraiment incroyable. Tu vois, c'est pas un jeu qui est difficile, évidemment. Hein. C'est, on est beaucoup dans l'exploration, mais il y a de très, très bonnes idées. Hein. Vraiment, c'est super agréable à jouer. Tu vois, moi, j'avais entendu, oui, tu joues 5 minutes, puis après, tu le laisses. Ouais, mais non, pas vraiment, en fait. Hein. Tu te laisses vraiment prendre au jeu. Tiens, vas-y, je te lâche. Parce que tout est comme ça, tu vois. Tout est intuitif. Tu vois, et y a beaucoup de mécaniques qui viennent après. Un peu comme dans Kena. Je trouvais que Kena était très, très bien réalisé. Je publie pas mal de let's play sur Kena aussi sur ma chaîne. Dans le sens où, bah voilà, quoi, tu découvres à chaque fois des nouvelles manières de jouer. Toi, t'es libéré, d'accord? Et peut-être qu'il faut qu'on aille là, c'est ça? Ah bah non. Et pourquoi on t'a libéré? À quoi tu nous sers? Oh! Ah d'accord. Tu vas nous ouvrir les portes, ça c'est cool. Ouh, d'accord. Mais tu veux sortir aussi, j'imagine. Ah, j'ai l'impression de retrouver vraiment les premières scènes du jeu avec l'extérieur, la végétation, mais ce n'est pas le cas. Ah, tu vois, en fait, c'est fake, hein, c'est fake. Hein. Regarde le faux ciel. Oh, qu'est-ce que c'est cool! D'accord, pendant. Ah, tu peux te grouiller, s'il te plaît, il y a quelque chose qui arrive là. Qu'est-ce qui. Quoi? Il va où? Ah, attends. Oh, ah, bah oui! C'est pour ça que je pouvais pas sortir B12! Il est prisonnier! Ouais, là, on lui dit, vas-y, je reviens, gros, je reviens. Ah, alors là, il va falloir vraiment le sauver, les gars. Et ouais, la sortie est par là, mais tu vois, on lui a demandé de nous ouvrir cette porte pour pouvoir aller sauver B12. Vas-y, laisse-moi faire à partir de là, mon gros. Sauf que si t'as une porte à ouvrir, évidemment.
Ouh, j'ai l'impression que ça va être une zone un petit peu tendax. Oh oui, d'accord, carrément, mais regarde par la fenêtre le bazar. Oui, oui, c'est par là, oui. Oui, non, mais j'ai compris que c'était par là. Hein. ok, on va pouvoir se mettre ici. Ok, yes. Oh là là, ces intérieurs, ces environnements, mais sérieusement, quoi. Oh, et encore, t'as rien vu, hein. Je te montre pas tout. C'est de la folie. Hein. Ok, il y a du laser, il y a du laser. Et puis, il y a une sentinelle qui traîne. Je m'imagine qu'il faut pas que je touche les lasers. Hein. J'ai pas trop envie d'essayer pour le coup. Yes, yes, yes. Voilà, tout à fait. Mais tout à fait, c'est tout à fait ça qu'il faut faire. Tu vas pas me dire que tu peux pas sauter derrière le laser là, mon matou. Et là sur la lampe. Non, apparemment ça a l'air un petit peu compliqué. Ah si, sur celle-là ça fonctionne. Ouh, t'as vu un peu. Il y a des objets, ils bougent et tout. Qu'est-ce que c'est cool. Elle est où la sentinelle? Ok, il y a un laser qui bouge, ça veut dire que je peux aller là. On va aller sur le sol, on va se cacher vite fait pour observer. Non, ça va, on est plutôt safe. Va peut-être y avoir des objets à manipuler là, c'est pas impossible. Ouais, non, mais il y a juste une boîte en fait. Et on peut pas, là pour le coup, on peut pas la bouger. Hein. C'est vraiment des objets bien spécifiques hein, qu'on peut bouger. Ok, laser passé. Oh, sentinelle. Oh, quoi. Non, attends, je vais dans la boîte là. Cache-toi. Non parce que en plus ils te poursuivent, hein. Ils se contentent pas genre de te tirer dessus, ouais quand tu restes dans la zone, tu vois, un quart d'heure. Hein. Non, ils te poursuivent. Hein. Voilà, je pense que c'est safe, on peut sortir. Par contre, il va falloir aller. Oh non, mais t'étais censé tomber. Oh, d'accord. Ah ça pique un peu là. Non, je vais mourir. Si je rentre dans la boîte, tu vas pas me voir. Si. Et tu vas exploser la boîte. Mais non. Ouais, ils sont vraiment programmés pour voilà pour détecter juste quelque chose qui bouge en fait. Si c'est dans une boîte, ils s'en foutent. Ah, mais au moins ça m'a permis de voir qu'ils sont deux. D'accord, il y en a un à l'intérieur. Voilà, il faut que je me mette là. Ah oui, le laser là, j'espère que tu vas t'arrêter. Oui, ça va. Ok, d'accord, faut que je monte là-haut. Yes! Allez, on va passer juste derrière. Ah non. Oh, c'est rare hein, d'avoir des petits. Y a aucun problème de gameplay. Hein. Je pense que là, c'est clairement de ma faute. Mais c'est vraiment rare de se tromper dans les commandes, sauf au tout début du jeu. Non, mais c'est extrêmement jouable, extrêmement réactif. C'est trop cool. Oula. Oh, c'était juste ça. C'était vraiment juste. Ah, tu vois, j'ai atterri dans une pièce, il peut très bien y avoir une sentinelle. Allez, vas-y. Alors, on désactive. Oh oui, on désactive la prison. Oh oui, il y a tous les lasers prison et tout qui sont désactivés. Mon petit Bédou. Ah ouais, mais eux, ils s'en foutent, tu vois. Ça va, c'est que des gardes, en fait, les sentinelles. Par contre, ils traînent encore là. Ils sont programmés pour buter. Ah oui, d'accord, ils sont en mode jaune, là. Ah oui, ils sont en mode jaune directement, donc faut surtout pas rentrer dans la lumière, je crois. Oui, c'est plutôt évident, ouais. Là, faut vraiment le faire rapidos. Ah, bah voilà à quoi servaient tous ces meubles, tu vois, tous ces bureaux. Vite, on va grimper. Prends-le. Voilà. Vite. Oh là là, le petit coup de pression. Rentre dans la boîte. Ouhouhouhou. C'était plutôt juste. Ok, on peut sortir par là, il n'y a pas de laser, il n'y a rien. Oui, et on peut remonter, normalement c'est par la gauche. Non, c'est pas là. Oh, vite. Non. Oh non. Mais quoi. Oui, va là. Non, tu m'as pas vu. Oh putain, mais il rentre partout. C'était par là. Oh, il m'a laissé m'enfuir, heureusement. Pouh, j'ai B12 dans la gueule. Oh, c'était Tendax en fait. Tu fonctionnes? Oh, mon petit B12 est de retour. Ah, bah voilà. Ah oui, je me disais, il manquait quelque chose. J'avais pas fait gaffe. Eh oui, bah on est revenu pour toi, tu rigoles. Bah oui, je suis un ami. Puis t'es quand même vachement utile. Hein. Ah, bah voilà. Grâce à B12, on peut ouvrir certaines portes. Ça, c'est cool. Bon, allez, c'est ici qu'on va se laisser pour ce petit let's play. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Quant à moi, eh bien, je te dis à bientôt hein, sur Stray ou sur un autre jeu. Allez, salut.